Les produits sans EMA sont-ils forcément des produits plus sûrs? Pas nécessairement, car un produit qui ne contient pas de EMA conviendra mieux aux clients qui ont une allergie spécifique à cet ingrédient. Mais c'est la formulation complète qui est importante pour déterminer la sécurité d'un produit. Cela comprend également les autres acrylates ou tout autre ingrédient du produit, par exemple des acides ou même les pigments utilisés, mais aussi les impuretés qui peuvent provenir d'autres ingrédients utilisés dans le produit. Le problème des personnes allergiques au EMA est qu'elles peuvent également développer d'autres allergies à d'autres acrylates. Il faut donc veiller à ce que le produit leur convienne. Et je dirais que le principal conseil est de veiller à ne pas créer d'allergie pour qui que ce soit.